Elle habite avenue Trudaine, mais pour travailler boulevard de Picpus, chaque matin de la semaine, emprunte le même autobus. Le receveur brûlant d'amour devant elle est toujours au supplice, car même en lui faisant la cour, il doit continuer son service. C'est très ennuyeux, car tous ses aveux deviennent pour le moins très curieux. Le receveur d'autobus se démène tant et plus et murmure entre deux: quel chant plein de douceur, je sens un grand bonheur dans mon cœur. Pourquoi donc refuser de me laisser poser sur vos lèvres un petit baiser? Je suis fou, fou d'amour, je pense à vous toujours, nuit et jour. Ah, c'est pas facile de chanter avec un autobus, alors. Enfin touchée par sa constance, un jour elle avoua qu'elle avait le pépin. Il lui murmura: quelle chance, mettons nos transports en commun. Tous les receveurs de la compagnie furent invités au mariage. Aussi autour de la mairie, vous parlez d'un embouteillage. Boiteuses à crécelle et trompes d'appel saluèrent l'instant solennel. Le receveur d'autobus se démenait tant et plus, son petit cœur était tant, si bien que lorsqu'on lui demanda de dire oui, il fit. Il n'y a pas d'arrêt, chef, c'est complet, allez rouler. Et le maire, tout joyeux, leur dit: soyez heureux, pour qu'un jour un petit succède à son papa, la compagnie déjà vous dit. Je ne le dirai pas, non, de là, alors. Comme dans tous les romans, ils s'aimèrent longtemps, puis ils eurent beaucoup d'ennuis, ce qui prouve que pour être heureux chaque jour, y'a que l'amitié.